Bienvenue au cœur du circuit des 24 heures du Mans. Nous sommes au village du circuit pour la 84e édition de cette course. Aujourd'hui, je vous propose de vivre à l'intérieur du village, d'aller voir les personnes qui eux-mêmes le font vivre, qui peut-être dorment ici toute la nuit. Je vous commence à aller voir les jeunes femmes qui proposent des programmes officiels qui vous permettent de découvrir et de suivre la course. Ah, merci, c'est gentil. Je ferme derrière moi. Bonjour mesdames, vos prénoms ? Bénédicte. Bénédicte et ? Manon. Manon. Alors, quel est votre rôle aujourd'hui au sein du village ? Nous tenons le kiosque presse où vous trouvez à la fois le programme officiel, mais également toute la presse nationale, quotidien et magazine. Voilà. Vous êtes là depuis quelle heure ce matin ? 8h ce matin. Voilà. Et toi Manon ? 8h également. Vous n'avez pas dormi ici alors ? Non, mais on a fini à minuit hier. Voilà. Petite nuit quand même alors. Petite nuit, voilà. C'est la première année que vous faites ça ici ? La deuxième année, toutes les deux ensemble. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce travail ? Y a cet échange avec les gens, le privilège d'être aussi au sein du village et puis d'une grande manifestation mondiale. Donc voilà, c'est à la fois, on joint l'utile à l'agréable, quoi. C'est ça qui est bien. Vous voyez beaucoup, évidemment, beaucoup d'étrangers ici. C'est pas trop difficile pour se comprendre ? Vous parlez peut-être anglais ? Manon, oui. Moi, je parle pas mal anglais, puis du coup, ça permet de me perfectionner, parce qu'avec les étrangers, du coup, on en apprend aussi tous les jours, donc c'est plutôt sympa. Utile à l'agréable. Alors, vous finissez à quelle heure aujourd'hui ? Après la course, en fait, mais vers 17h, parce qu'après, effectivement, le kiosque, on a tous les invendus à refaire après, derrière. Bon, nous, on va aller à côté, il y a une boutique officielle. Vous les connaissez un petit peu ? Pas vraiment, non. On n'a pas le temps de rencontrer les gens. Vous les croisez ? On les a croisés de temps en temps, on se rend service mutuellement quand il y a besoin, et puis, mais en général, il y a une bonne ambiance. Ça se voit. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, on file du côté de la boutique officielle. Il y a Audrey qui va nous attendre à l'intérieur. Bonjour Audrey. Bonjour. Et c'est quoi votre rôle ici à la boutique ? Alors, je suis responsable de cette boutique-là. Avec mon collègue, comme on a des grosses journées, on se partage les journées. Voilà. La nuit a été courte ? La nuit a été courte, oui. Vous êtes couché à quelle heure ? 3h30. Jusqu'à ? On s'est levé à 7h30. Il y a des clients même durant la nuit qui viennent acheter les affaires que vous vendez ici ? Non, pas du tout, mais on est obligé de nous préparer les boutiques pour que ça soit prêt au moment de l'ouverture. Et on doit clôturer les caisses, tout ça, ça nous prend un peu de temps. Je vois qu'il y a beaucoup d'articles que vous vendez ici, mais qu'est-ce qui va se vendre le mieux ? C'est le t-shirt que j'ai sur moi et qu'on a plus d'ailleurs. Et vous l'avez plus du tout ? Du tout. Je vois aussi que vous avez des articles aussi bien pour femmes que pour hommes que pour les enfants. C'est ça. Aussi des accessoires. Ah ouais, on a pas mal de trucs, mais il y a plein de trucs qu'on a plus du coup, parce que ça, c'est tellement bien parti que... Vous travaillez ici chaque année ? J'essaye, ouais. Et du coup, ça me prend une semaine, donc... Avec toute la semaine ? Là, on est arrivé lundi et on repart demain, quoi, donc je peux si j'ai une semaine. Il faut une semaine pour s'en remettre, non ? Ça, presque, ouais. Merci beaucoup, Audrey. Bon courage. Merci. Je vois que madame... Bonjour, madame. Vous êtes laissée tenter par le t-shirt ? Oui. Pourquoi celui-ci ? Il est très sympa, très beau. Ouais. C'est pour vous ou c'est pour les hommes, ça, non ? Mais oui, mais c'est pas pour moi. C'est pour monsieur ? Même pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez du Mans ou vous venez d'où ? Non, on vient de Paris. De Paris. C'est la première fois 24 heures ? C'est tous les ans. C'est quoi votre écurie favorite ? Écoutez, cette année c'est Toyota. Pourvu qu'Audi ne gagne pas, ce sera très bien. C'est parti pour, hein ? Oui. Madame, vous aimez autant les voitures que monsieur ? Oui. Pour Toyota aussi ? Oui. Il n'y a pas de querelle, tout va bien ? Tout va bien. Merci à vous. Prie. Merci. Je vous propose de continuer au sein du village, juste derrière nous, et j'aimerais bien aller voir ce stand de Michelin, puisqu'il est très attractif. À tout de suite. Bon, on ne pouvait pas se tromper avec le bonhomme Michelin sur le stand. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Oui, ça va ? Ça a l'air d'aller. Bon, il n'est pas très expressif, mais il est très gentil. À bientôt ! Il est moelleux. Bon, on est sur le stand Michelin. Vous pouvez voir autour de moi, il y a beaucoup de voitures en exposition. Si je ne me trompe pas, ce sont des Porsche. Le simulateur, j'aimerais bien vous montrer si on peut y accéder. Bonjour
les filles. Quels sont vos prénoms? Margot. Margot et Marine. Marine, alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur le stand Michelin? C'est quoi votre rôle aujourd'hui sur le stand Michelin? Alors, donc on surveille le simulateur, on met en route le simulateur et on distribue des casquettes aux clients. Il y a eu beaucoup de monde, j'imagine? Oh oui, les gens font beaucoup de queue pour participer au simulateur, c'est assez impressionnant. Et elle est là, la queue des personnes qui attendent? Ouais. Combien de minutes à peu près ils attendent pour... Une heure à peu près. Ah ouais. 4 minutes, ça dure 4 minutes le simulateur. C'est un simulateur qui est vraiment prenant, assez réel. Ah oui, ils sont dans une Audi R10 sur le circuit de 24 heures, quoi, et c'est vraiment similaire, quoi, comme s'ils étaient dans une voiture. Pas trop fatigué? Un petit peu quand même. Vous commencez à quelle heure aujourd'hui? 9h, ça va encore. Est-ce que vous savez comment il s'appelle le monsieur en blanc là? Comment vous dites? Georges. Georges, bon, on va aller voir Georges. Merci les filles, bon courage. Merci. Merci. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien, en pleine forme. En plus, il fait beau. Oui, c'est nous qui avons amené le soleil. C'est Michelin peut-être qui l'a amené? C'est non, Michelin. C'est vous. On va vous montrer la Porsche qui est hop, juste derrière Georges et moi. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Georges, ici? Alors, en fait, ce qu'on essaie de montrer au public et de démontrer, c'est que c'est un véritable laboratoire, les 24 heures du Mans, pour Michelin. Tout ce qu'on apprend sur la piste, on va le transmettre sur la route. Donc, notre présence, qui date quand même depuis 1923, qui était la première édition des 24 heures du Mans, qu'on avait d'ailleurs remportée, j'étais pas né, je vous le rassure. C'est vrai. Merci de me le rappeler. Je me souviens qu'on avait gagné. Nous permet simplement de dire que le laboratoire de la connaissance nous permet de faire une bibliothèque. Vous savez, sur des voitures comme les Porsche, les Audi, mais aussi les Toyota, eh bien, on a un certain nombre d'enseignements et ça va nous permettre de travailler sur les pneus qu'on veut utiliser le public qui vient nous voir nombreux. C'est un petit peu à l'image des défilés de mode haute couture que l'on retrouve après dans le prêt-à-porter. Oui, alors c'est gentil comme comparaison parce qu'effectivement Michelin c'est de la haute couture, c'est du sur-mesure. On a ici fabriqué pas moins de 6000 pneus par rapport à la présence sur les 24 heures du Mans, fabriqué d'ailleurs en France à Cataroux. Et effectivement on va adapter en fonction des marques le meilleur de soi-même pour donner la performance maximale. Merci beaucoup. Pour finir, cette voiture c'est laquelle? Alors ça, c'est une Porsche version 919 hybride. C'est une voiture qui a roulé. Alors elle a été un petit peu modifiée parce que vous savez, le secret importe beaucoup sur ce type de marque. Si vous ouvrez, vous allez peut-être voir à l'intérieur, c'est pas le vrai volant. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de technologie qu'il faut la préserver. Merci à vous. Merci à vous, bon courage. Merci. C'est pas encore fini, on attend le 15h pour savoir qui va gagner. Avec plaisir. Mais on est en bonne position quand même. Merci de votre gentillesse. Avec plaisir Georges, au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors on a quitté la Porsche de l'année dernière pour retrouver celle de cette année, mais en peinture. Et j'ai vu que vous, monsieur, votre prénom c'est Patrick. Patrick et Joël, bonjour. Joël. Je vous ai intercepté parce que j'ai vu que vous aimez particulièrement les peintures qui se trouvent ici. Oui, ce sont de belles réalisations qu'il fait. On le connaît déjà depuis de nombreuses années. Comment s'appelle-t-il? Ulrich. On demandera au monsieur qui est juste derrière. Oui, parce que je ne sais. Vous avez l'habitude de venir voir ses œuvres. Oui, depuis plusieurs années. Hein. Vous venez d'où, monsieur? Je suis de la Mayenne. Et nous avons acheté deux choses, une la semaine passée, une aujourd'hui, parce que je fais la parade des pilotes. Et on retrouve des voitures qu'il a peintes, elles sont vraiment magnifiques. Alors donc, on garde un souvenir de tout ça. Vous les mettez dans le salon. Oui, Joël? J'ai emmené l'équipage Porsche l'année dernière qui a gagné dans la voiture à la parade. C'est un beau souvenir alors. Merci à vous deux, bonne course. Bon, bah merci beaucoup, puis bonne journée à vous. À vous aussi, avec plaisir. Bonjour monsieur, votre prénom? Martin. Martin, enchanté. Vous vous occupez un petit peu de la boutique? Oui, un petit peu. En fait, moi, je suis stagiaire pour R&D Design, en fait. Voilà, donc on est présent. D'habitude, je suis en Allemagne, mais là, on est revenu pour l'événement, pour les 24 heures du Mans. On sera aussi présent au Le Mans Classique. Voilà, donc on est là toute la semaine de course et on sera là aussi toute la semaine du Le Mans Classique. Et comment s'appelle l'artiste? On a demandé à des gens, mais ils n'ont pas pu nous le dire entièrement. C'est Ulrich? Alors oui, c'est Ulrich Ehret, mais il préfère se faire appeler Uli. Voilà. Uli. Voilà, c'est pour ça que sur le nom de son entreprise, vous avez souvent voilà, Uli's Racing Legends. Voilà. Ça marche bien? Les personnes, les visiteurs aiment bien? Oui, ça marche super bien parce qu'on est...
On est même ouais, on est très très bien. Et puis les gens sont très ouverts. Vraiment, on a affaire à un public de passionnés, donc pour nous c'est génial. J'ai vu des Porsche, mais il y a plein d'autres voitures en fait. Oui, alors là en fait, vu que c'est les 24 heures du Mans, on est surtout sur les nouveautés, enfin sur les voitures qui courent cette année. On a aussi les gagnants des autres années, mais bon, on essaye de ne pas aller avant 2013. Mais par contre, quand on va faire le Mans classique, on va apporter des choses complètement différentes. Et il ne se limite pas vraiment que comment. Il va aussi faire des Formule 1 des années 50, 60, voilà, des barquettes qu'on courut aussi en rallye en Italie. Enfin, c'est très divers, voilà, c'est vraiment varié. Merci beaucoup. Pour finir, j'aime bien poser une question à tous les interlocuteurs du village que je rencontre. C'est combien d'heures avez-vous dormi cette nuit? Je pense que je dois faire partie de ceux qui ont le plus dormi parce que j'ai dû me coucher vers 3h30, 4h et je me suis levé vers 7h30, 7h45. Donc je pense que je fais partie de ceux qui ont le plus dormi, je pense. Le plus? Bon, bah écoutez. Je pense. Bonne nuit quand même pour tout à l'heure alors. Merci. Je vous retrouve devant le stand, ou plutôt le magasin Rolex du village. Rolex, vous le savez, c'est l'un des plus grands partenaires des 24 heures du Mans qui leur permettent de partir à l'heure. On s'étonne toujours de voir quelques magasins luxueux au village des 24 heures, mais c'est l'une des particularités de ce milieu. Beaucoup de magasins donc présents ici, des marques dont je ne pourrais pas toujours prononcer le nom. Mais ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir une marque que nous, en France, on connaît bien. C'est Alpine. Alpine avec Jean-Patrick qui nous attend juste à l'intérieur. Bonjour Jean-Patrick. Bonjour. Comment vous allez bien? Très bien, ça va bien? Oui, super. C'est la question, on peut pas se tromper. Il y a du monde ce matin chez Alpine. Oui, il y a du monde. Ah, chez Alpine, bah, il y a toujours du monde chez Alpine. Évidemment. Vous avez beaucoup dormi? Pas beaucoup, on se couche tard, on se lève tôt. Ça fait partie des 24 heures, quoi. Toute la semaine? Oui, toute la semaine, ouais. C'est pour ça qu'on voit pas vos yeux ce matin. Exactement, je peux le montrer, hein. C'est pas... Ça va. Ça va, il y a pire quand même. On a vu pire. On a vu des gens dormir, même sur le cirque. Ça pourrait nous arriver. Des bois, hop, ils s'endorment. Mais quand il y a l'activité, ça va, on s'endort pas. C'est la première fois où vous avez un client? Allez-y, on vous attend. Vous êtes... Moi, c'est la... Depuis qu'Alpine est revenue, je suis là depuis le début, en fait, du retour d'Alpine, de la boutique, même de la voiture pour le championnat. C'est quoi votre plus beau souvenir ici? Plus beau souvenir? Alors je ne veux pas dire qu'il y a un souvenir précis, mais je veux dire, moi je suis pas, à la base, j'aimais pas trop le sport automobile, et on va dire le Mans m'a fait aimer un peu le sport automobile. Et Alpine aussi m'a fait aimer. C'est quand même une belle histoire. Vous êtes Sartois d'origine? Pas du tout. Moi je suis de la ville de l'Écurie. Je suis de Bourges à la base. Donc voilà. Non, j'en peux. Chaque année, vous trépidez d'impatience de venir. Je suis content de venir ici parce que c'est plus qu'une course. Et on va dire, la vie est différente. C'est un espèce de petit festival. Et c'est plutôt assez agréable, quoi. C'est pas la même ambiance ici qu'au bord de la piste. Ah, on la voit pas, on voit pas le bord de la piste. Mettez un écran. Ah oui, c'est vrai. Merci. Merci Jean-Patrick, bon courage. Je vous en prie, merci. Bonne nuit pour tout à l'heure. Ouais, merci. Je vous propose que l'on se retrouve dehors, en plein milieu du village, pour se dire au revoir, pour que vous puissiez profiter encore un petit peu de l'ambiance qui règne ici, puisque comme on le disait à l'instant, elle est vraiment différente de celle que vous pouvez trouver autour de la piste. Maintenant, on reprend la route direction Vouvray-sur-Loire. Je vous propose d'aller dans un univers complètement différent. On va aller visiter un moulin. Je suis là. À tout à l'heure.